Bonjour tout le monde, c'est Wildana. Matin, on pote une vidéo pour nous. Dans la vidéo, ça va parler concernant ça qui relè douleur règle ou bien dysménorrhée. OK? Donc si vous t'a remé compte qui ça qui cause ou gain douleur règle ou bien qui sont ka faire lor gain douleur règle, regardez toute vidéo. Dysménorrhée ou bien douleur règle, normalement nous connaissons chaque mois gen des changements qui fait dans nous ou bien gen des changements qui fait dans organes internes nous en parlant des ovaires avec utérus nos mêmes filles. Donc changement ça yo fait à cause des stimulations hormonales qui sorti dans ovaires. Normalement, quelques jours avant nous-mêmes nous gagnons ça qui relève règles, gagnons substance dans l'utérus qui relève prostaglandine. Donc prostaglandine qui ça le fait lui augmenter avant règles venir. Donc puisque prostaglandine lui augmenter, prostaglandine gagne fonction augmenter contraction dans l'utérus. Donc puisque prostaglandine nan li augmente, tout autant sang ap sorti nan utérus lan, et li augmente capacité contraction utérus lan. Donc contraction sa yo, c'est ça qui fait nou vin gen, ça qui relè douleur règle ou bien dysménorrhée. Normalement, dysménorrhée li divisé en deux types, gagnon primaire, gagnon secondaire. Dysménorrhée primaire là lui-même c'est lorsque nous fait gain règle nous sentions douleur. OK? Douleur ça nous sentions chaque fois nous gain règle nous li kon diminuer comme si li pas aussi puissant. Chaque fois nous gain règle nous capacité en li descend douleur en venant en pi bas nous sentir moins. Et douleur ça lui-même lorsque nous fait avant même nous faire premier petite ou bien normalement gen fi qui konn pas senti douleur ça encore lorsque vous fait premier petite ça veut dire après vous fil faire une couche normale vous pas senti douleur ça encore donc c'est li nous relè dysménorrhée primaire là mais dysménorrhée secondaire là li même qui ça lié c'est lorsque ou pas konn gen douleur ça avant mais tout de suite les règles venir commencer sentir une forte douleur et ou pas capable supporter encore donc douleur ça c'est li nous relè dysménorrhée secondaire li même li gen non seulement cause hormonale yo capable faire ça li capable gen des l'autre cause tout en coup fi capable gen ça nous relè fibrome li capable gen des kyste li capable gen infection capable gen paquet l'autre maladie encore qui capable cause li vin gen douleur ça. OK, normalement et lorsque nous gen douleur règle mesdames parete di OK son petit douleur la passer l'aime faire en petite toujours al wè yon médecin pour connaître qui ça est-ce que tout bagarre OK ou bien est-ce que c'est seulement changement hormonal yo qui fait sentir douleur ça glan. Et lorsque nous gagne douleur règle tout qui ça nous capable faire si nous pas ko gagne corps bon al wè gynécologue premier bagaille nous besoin faire mesdames c'est marcher. OK, tout autant nous sentir nous commencer gain contraction ou bien nous commencer sentir nous chaud de pral gain règle nous commencer symptômes yo, nous commencer sentir symptômes yo, nous doit marcher ou bien faire exercice et lorsque nous connaît nous pral gain règle nous en date avant nous doit prendre des précautions, ça veut dire nous doit manger des manger cap éviter trop contraction lorsque nous gain règle nous capable éviter trop sucre ou bien nous capable éviter tout des graisses tout qui capable cause et contraction ça au plus nous capable chercher bagaille qui bon nous capable manger oméga 3 l'autre bagaille qui capable vraiment aider nous avec contraction ça yo et l'autre bagaille encore nous capable faire lorsque nous gain en douleur règle nous capable mettre un petit bloquette OK ou bien nous capable mouiller une serviette nous mettre le fond petit chauffer et ensuite nous mettre le mesure que nous capable supporter en bas tivant nous bien bas vent nous côté que nous senti douleur en chita donc ça vraiment aider nous li capable éviter li capable faire contraction au fait moins et sans capable sortir plus facile. Donc après nous fin faire toute bagaille ça aussi nous est douleur li pas diminuer comme si nous toujours sentil
nous capable acheter un anti-inflammatoire, ça y aurait les tout anti-prostaglandine yo. Donc je viens d'expliquer nous et tout à l'heure, c'est prostaglandine qui cause contraction. Donc lorsque nous achetons anti-inflammatoire ou bien anti prostaglandine, médicament ça lui-même qui ça le fait, li éviter contraction yo, OK? Li bloquer contraction yo et comme ça sans couler, sans nous pas sentir aucun douleur ou bien nous sentir douleur plus bas. Et anti-inflammatoire ça yo tout, yo bon qui ça yo fait yo yo et désenfler partie qui enflé yo et comme ça sans capable de sortir tout plus facile. Mais normalement pour nous connaître qui anti-inflammatoire pour nous acheter, nous besoin visiter un gynécologue. OK, lorsque nous allons gynécologue, nous l'a dit nous mais qui anti-inflammatoire qui plus bon pour nous bre. Pour qui ça? Parce que il y a des monde qui allergie avec une série de médicaments et il y a tout des médicaments tout qui kon empêcher on fi faire petite lorsque on prend trop. C'est ça qui fait nous besoin aller un médecin pour qu'a faire ban nous un traitement qui pi comme des cas là qui pi bon qui pas bien trop effet secondaire sur santé nous.